Jean-Marc Parent. Va chier. Mais là, t'as la peur, là. Va chier, là, pas dans le sens de va chier, là, dans le sens de va chier, là. Je sais pas si je suis clair, là, Jean-Marc. En tout cas, va chier. Non, t'as peur, non, mais je dis pas ça gratuitement. Wow, j'ai mes raisons, hein, parce que les autres humoristes, là, je m'excuse, mais Jean-Marc Parent, là, il fait chier, OK? Come on! Lui, il s'achète du lait, il t'en parle. Asti, tu pisses dans tes culottes. Moi, je vais m'acheter du lait au dépanneur. C'est plate, là. Il se passe rien, là. Je sais pas où qu'il habite, mais acheter du lait dans mon bout, c'est plate en crisse, là. Oui, là, je le sais, Jean-Marc. Là, tu vas me dire, dans le fond, Laurent, t'es juste jaloux. Va chier! Bon. Et non, mais t'as peur, quand tu y penses, j'aurais des raisons d'être jaloux, OK? Jean-Marc, là, a toujours pu se permettre n'importe quoi. Rappelez-vous, en début de carrière, quand il a commencé, comment il s'habillait pour monter sur scène, hein? On vous l'avez vu tantôt, on s'entend qu'il se forçait pas bien fort, là. En fait, le seul moment où il a peut-être forcé, c'est quand il est venu le temps d'enfiler les cuissards, là. Come on, il mettait sur scène le même linge qu'il avait dans la journée pour faire un backwash sur sa piscine, là. Pendant que les autres humoristes, on se paye des stylistes, des maquilleuses, des coiffeuses. Ouais, OK, c'est pas tout le temps de l'argent bien investi, mais en tout cas, on se tape des sessions de photos interminables. Toi, ton dernier poster, t'es même pas là! Esti, ils ont posé un fauteuil! T'es quand même un des meilleurs vendeurs de tickets au Québec. Mets-toi à la place des autres humoristes. C'est frustrant quand ta face vend moins qu'un crisse de fauteuil. Je suis plus drôle que Bro et Martineau, me semble. Même dans les annonces de fauteuils, Chris, ils mettent du monde. Remarque, d'un autre côté, le message est clair. Si tu viens voir mon show, tu vas être assis longtemps en tabarnak. Et monsieur refuse de faire des films. Monsieur, il trouve qu'il n'est pas assez bon. Il y a Denis Arcand qui l'appelle pour y offrir un rôle qui a écrit sur mesure pour lui. Et monsieur répond, non. Chris, savais-tu qui, Denis Arcand? Là, tu mélanges avec Paul Arcand! S'il vol! Et je rappelle que je suis pas jaloux, là. Pas pantoute, là. Oui, Jean-Marc s'est rendu à Cannes avec ça. Mais y a-tu déjà joué un castor dans une annonce de téléphone? Non. Fait qu'on se calme le gros nerf. Bon. Et à un certain moment de ta carrière, Jean-Marc, il faut le dire, à un moment donné, là, tu pouvais te permettre n'importe quoi. Tu faisais n'importe quoi. Écoute, qu'est-ce qu'il y a même épluché une patate dans un show? On s'entend que c'est pas forcé ben, là. La patate fait plus d'efforts que lui, là. Hey, moi, pour faire rire le monde, je suis obligé de faire des bassesses comme embrasser François Morency. As-tu déjà embrassé François Morency, toi? C'est plutôt agréable, en tout cas, je m'éloigne de mon point. Et en plus, tu donnes dans le créneau des anecdotes médicales. T'es tellement bon là-dedans. Moi aussi, je vieillis. Moi aussi, j'aimerais ça raconter mes petits bobos. Mais après tes sagas de pontage pis de pierre au rein, on dirait que mon 3 minutes sur l'orteil foulé rentre moins fort. Le 3/4 de tes numéros porte sa maladie. Tu nous parles de tous tes petits bobos. La même personne à Résidence Soleil, Chris, on appelle ça un vieux tabarnak. En plus, Jean-Marc, réalises-tu qu'étant donné que la moitié de ton matériel, que tu dis là, la moitié, 80% de ton matériel, c'est sur tes petits bobos? Ça veut dire qu'en vieillissant, ta carrière peut juste aller mieux? Va chier! Bon, OK. Pff, blague à part, Jean-Marc.
t'es un gars qui a toujours travaillé avec son cœur. Ça, c'est vrai, et c'est un exemple pour tous les autres humoristes. D'ailleurs, en leur nom, Jean-Marc, je veux te dire, va chier beaucoup.